Bonjour à tous. Bonjour. Donc bienvenue à cette nouvelle édition de la Fête de la Nature, la 15e plus précisément, donc qui est organisée par le Conseil départemental en association avec ses gestionnaires, ses partenaires qui gèrent les différents espaces naturels sensibles de l'île. Donc là on est sur l'espace naturel sensible de Cap Blanc, qu'on appelle aussi l'ENS des Hauts de la rivière Langevin, qui est gérée par la Fédération départementale de pêche. La randonnée en elle-même, elle est relativement facile. Elle fait 5 km aller-retour. On va faire aux alentours de 200 à 250 mètres de dénivelé positif. Et on va d'abord traverser des parcelles anciennement cultivées, certaines qui sont encore plus ou moins entretenues. Et plus on va progresser dans le sentier, on va rentrer dans un milieu forestier de plus en plus préservé. D'après vous, elle est où l'eau? Voilà, elle est à une dizaine de mètres sous nos pieds. Et le problème avec les espèces exotiques, c'est que pour bon nombre d'entre elles, elles sont devenues envahissantes. Donc là, on est au pied de Grand Coude. On a des vues aériennes, c'est assez impressionnant de voir cette route sur un flanc de falaise. Donc là, on va en profiter pour sortir momentanément du sentier, aller dans les îles de la rivière pour aller voir la fameuse arche naturelle qu'on appelle le bassin de la corbeille. Waouh, ça mérite une petite photo, hein. Et donc après chaque forte pluie, il se remplit complètement et déborde à nouveau là où on se trouve. Même le guide, il fait des photos. Ah bah oui. On se trouve dans une petite flaque dans laquelle il y a une ou deux truites arc-en-ciel qui sont prisonnières. Donc là, ce qu'on va faire avec l'association agréée de pêche, la Fédération départementale de pêche, c'est qu'on va intervenir pour récupérer ces poissons-là et les lâcher plus haut dans une portion où l'eau est pérenne et ne s'infiltre pas dans le sol pour éviter qu'elle meure asséchée. Hop, on va ressortir. Toujours attention, ça glisse. On arrive au point de vue de la cascade, là, c'est juste là, vous avez fait le plus dur. Donc ici, nous trouvons devant notre première parcelle de restauration écologique. Et cet arbre-là, l'arbre à Monandroptera. Il faut regarder, lever la tête pour en trouver. Ouais, un petit sentier secret. Alors là, vous allez participer à la plantation d'espèces indigènes et endémiques. Donc là, on va mettre en terre, comme tous les autres visiteurs qui sont venus durant la Fête de la Nature, donc ces sujets d'indigènes. Ici, on a un bois de nef et un bois de sureau et deux plants de mafate en bois. Pour que les racines partent mieux dans le sol. Et après, on les plante ensemble. Planter, c'est la vie, hein. Je pense que c'est un plaisir. Mais voilà. Voir cet arbre grandir, dans 2 ans je reviens. Et puis ce qui est bien aussi, c'est avoir un guide. Et le guide, du coup, il offre plus de possibilités, on a beaucoup plus d'informations et tout, c'est vraiment super. Et il nous fait voir des trucs qu'on ne voit pas forcément et qui sont intéressants. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est une belle visite. La Fête de la Nature. Voilà. Donc quand tu vois la nature et 1000 regards, justement, c'est ça aussi. On peut voir les grands panoramas, mais on peut s'arrêter sur des choses beaucoup plus petites et l'infiniment petit avec des insectes, justement. Et là, on a vraiment beaucoup de chance de tomber sur cette petite menthe religieuse. Donc c'est ici que se termine la visite. J'espère que ça vous a plu. On propose des visites guidées toute l'année, pas que pendant la Fête de la Nature et les week-ends nature. Donc les gens peuvent nous contacter directement à l'association agréée de pêche, et nous réserver une visite guidée sur site. Donc il y en a qui disent qu'il n'y a pas toutes les saisons à La Réunion, qu'on n'a pas l'automne. Je vais vous prouver le contraire. À La Réunion aussi, les feuilles, elles tombent.
Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour. Une ambiance cérémoniale dans l'hémicycle du département pour 6 collèges volontaires qui travaillent sur les questions de l'esclavage 173 ans après son abolition. Pendant la présentation du musée de Villèle ou encore des archives départementales, les partenaires de ce projet annuel, les enfants sont concentrés sur les nouvelles informations qui alimentent leur méthode. On a fait un arbre généalogique, on est parti sur des sites, on est parti voir nos familles pour savoir d'où l'on vient. Qui étaient nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, c'était très important. Je viens d'Angleterre, de Portugal, de Madagascar. J'ai beaucoup d'origines de plein de pays. Et tes parents, ils connaissaient tout ça ? Non, même ils étaient très surpris. Début d'année, donc on a parlé de l'histoire de la Réunion, de l'esclavage. On a visité le musée de Villèle. Donc ça nous a permis de nous sensibiliser et d'apprendre plus de choses sur notre histoire. Depuis 2013, des collèges s'investissent dans cette action départementale qui vise à faire grandir nos jeunes avec leur histoire. Comme le département le fait systématiquement à chaque grand rendez-vous autour de la question de l'esclavage, d'associer les mamans sur quelle est leur perception aujourd'hui de cette loi, comment ils le vivent au quotidien et comment nous, qui sommes tous héritiers d'une histoire commune, eh bien, nous avons cette perception plurielle de la question de l'esclavage et la notion de crime contre l'humanité. Objectif de cette étape, comprendre l'importance de la loi Taubira qui reconnaît la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité.
Pour cela, un historien guide leur pas ce jour du 10 mai. Je pense que, quel que soit le sujet, à partir du moment où on donne du sens, les élèves s'y impliquent. Et ce que je trouve intéressant là, dans le projet du département, c'est que ça permet de donner du sens à ce que l'on fait dans le cadre de la classe. La musique, qui fait partie de l'histoire, résonne dans l'hémicycle. Prochaine étape pour ces citoyens de demain, le 20 décembre et la restitution de leurs travaux. Cette plante médicinale porte décidément bien son nom, le change-écorce. On l'appelle également le goyave marron en raison de sa ressemblance avec le goyavier. Parmi les 835 espèces végétales indigènes de la Réunion, ce petit arbuste qu'on retrouve dans les forêts de bois de couleur s'est développé sur l'île bien avant l'arrivée de l'homme. Mais les anciens se sont très vite appropriés les vertus médicinales présentes dans ces petites feuilles dentelées. Voilà. Un petit pied de bois que l'on apprécie aussi dans la tisane réunionnaise, c'est le goyave marron. Rien à voir avec le goyave, peut-être des petites ressemblances, les petits fruits blancs ou les feuilles. Goyave marron, notre nom, c'est sans écorce. Quand il vieillit, le pied, il perd de l'écorce, c'est-à-dire le bon écorce, il tombe, les gros écorces, il tombe. Donc il laisse le pied un peu de couleur blanchâtre, jaunâtre. Donc sans écorce ou goyave marron. C'est un petit pied de bois qui pousse en altitude dans toutes les forêts de l'île des Hauts où on trouve un pied de goyave marron. On a le petit et le gros goyave marron. Très apprécié comme rafraîchissant le goyave marron. On utilise les feuilles. Donc on va prendre des petites feuilles de goyave marron comme ça, ou bien un petit cœur de goyave marron comme ça. Là, on a une petite tisane pour un bon litre à bouillir. Soit toute seule, 5, 6, 7 feuilles, soit à bouillir avec un petit peu de barbe maïs, de fleurs jaunes, ou à bouillir avec un petit peu de racines et de feuilles de fraises. Petites fraises qui poussent dans la forêt, que Domouni apprécie bien. Pas fraises crapaud, mais le bon petit fraise, que les bien sucrés qui poussent dans les hautes, qui trouvaient bon peu Maïdo avant, ou dans les hautes Sillaos, qui trouvent encore un peu, sur les sentiers, dans les randonnées. Donc le goyave marron, très connu ici pour ses vertus rafraîchissantes, très utilisé, associé avec d'autres plantes ou tout seul. À Madagascar, on l'a appelé le wafutsi, le goyave marron. C'est la boisson nationale. Bon, il boit ça régulièrement, il boit ça tous les jours. Ça aide pour le paludisme, ça aide pour éviter les fièvres paludéennes. Donc le wafutsi à Madagascar, c'est la famille, la même famille, le même qu'on a ici, on appelle ça goyave marron. Voilà. Ça, c'est un petit pied qu'on a quand même une dizaine, douzaine d'années. On a planté quelques goyaves marrons sur le terrain, mais il y en a bombé dans le bordure de la ravine. Et il pousse facilement dans la cour et il est joli quand il est en fleurs. Préparation, décoction. Là, nous va prendre l'eau froide que est là, nous verse dans la bouilloire et dans cette bouilloire, en même temps, nous va mettre des plantes, une décoction de zambaville, par exemple, des zambaville et fume-terre. Hein, zambaville et poc-poc là pour laver. Là, nous fait un petit peu de plantes comme ça pour à peu près un litre et demi. Un bon litre et demi. Là, c'est dit bien décoction pour le bain. Un litre et demi. On peut rajouter un peu de poc-poc dedans. Regarde bien le poc-poc, c'est poc-poc. C'est poc-poc. Hein? Marmaille qui ne connaît pas poc-poc. Alors là, pourquoi c'est appelé poc-poc? Il trouve ça dans le carocande, mais pas dans n'importe quel carocande, parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc veillez bien à ne pas ramasser n'importe où le poc-poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau. Là, nous fait une petite préparation, nous peut rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau. Nous la verse de l'eau dedans. L'eau est froide. Nous mettons les plantes dedans.
Nous, recouvre la casserole, le bouillard. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole. On fait ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration. Nous chauffe, nous laisse de l'eau bouillir. La décoction dans 5, 7 minutes, 10 minutes. C'est bon. Attention, les corps de gruyère marron les peuvent faire vomir à ne pas utiliser. Utilisez les feuilles, mais pas l'écorce. L'écorce est vomitif. C'est un petit peu de bois assez résistant. Un joli petit peu de bois. Les feuilles sont brillantes et ils poussent facilement dans un jardin, dans les hauts comme dans les bas. C'est à l'entrée de cette enseigne de bricolage que le département, l'ONF et les représentants des trois magasins Leroy Merlin inaugurent l'exposition à travers mille et un regards. Ce qui est important, c'est que le grand public puisse comprendre que la forêt, le milieu naturel de La Réunion, c'est un milieu qui est grandiose, qui semble fort, mais qui est fragile. Et il est nécessaire que l'ensemble de nos concitoyens de La Réunion puissent protéger ces milieux qui sont des milieux d'exception pour le monde entier. Comprendre les missions de la forêt, le réchauffement climatique ou encore la préservation de la biodiversité, à l'instar d'une action nationale, l'enseigne accompagne localement les acteurs de la forêt. Très content parce que c'est l'historique, c'est une histoire, l'histoire de la famille Ravat, depuis mon père, qui à l'époque allait dans les forêts tamarins, chercher le bois, bois de construction, matériaux de construction et tout. Et aujourd'hui, on signe une convention pour le reboisement de cette forêt de tamarins avec un partenaire qui est le département et l'ONF. Cette convention va notamment permettre la reforestation de parcelles de tamarins des Hauts par un mécénat en faveur du Fonds Agir pour la forêt et ainsi contribuer à l'action 1 million d'arbres pour La Réunion. Tous ces partenaires permettent d'accompagner la sensibilisation et la protection de la nature réunionnaise. Ben, nous sommes sur la route d'Inatacroix, donc la départementale 242, qui a pour vocation première de désenclaver le village d'Inatacroix. Thank you.
que c'est une route à fort caractère touristique. Le départ de sentier, notamment vers le col du Talbit et Marla, on y trouve des sites de canyoning sans être prétentieux mais mondialement connus, tels que le Fleur Jaune, Ravine Ferrier, etc.